Invasion sur les plages. C'est arrivé petit à petit. On ne s'y attendait pas. Certains en ont aperçu un en se promenant sur les sentiers côtiers par une belle journée. Fin mai. Personne n'y croyait vraiment. Sans moi, une erreur. Une blague. Ça nous a fait sourire. En Bretagne, c'était juste pas possible. Et puis on les a vus. Un, deux, puis trois. On apercevait leurs nageoires dorsales glisser vers la côte. Il en venait de plus en plus. De loin, on devinait leurs dents, blanches, brillantes, aiguisées. En plein été, au bord de la mer, toute bleue et si calme, comment retenir les enfants? Des mères rappelaient leurs petits. « N'y allez pas, c'est trop risqué !» Des pauvres femmes scrutaient l'horizon en cherchant leurs enfants. Il y eut un article dans le Télégramme. Des centaines de requins ont envahi les plages de Bretagne. Ils peuvent être dangereux. C'était donc officiel. On en parlait au bourg, au marché, au café. On racontait avoir vu le squale échouer sur le sable, la tête tordue faisant la joie des mouettes. Un autre se vantait d'en avoir neutralisé un juste avec un canif. Les surfistes avaient rangé leurs planches. Ce n'était plus possible. Ils étaient dépités. Les jours de grande chaleur, les requins longeaient la côte, se laissant bercer par le ressac. Les sauveteurs, jumelles à la main, scrutaient l'horizon, prêts à intervenir. Il y en avait de plus en plus. Le bord de la mer en était assombri. C'était bien terrible, horrible à voir. Des mâchoires énormes s'ouvraient sur des dents en couperet. Leurs huit nageoires étaient effrayantes et leurs petits yeux, si bleus fluorescents, faisaient frémir. Les vieux disaient « De notre temps !» Mais on ne les écoutait pas. On se mit à regretter celle de l'année passée. Les bouées bon marché en forme de flamant rose, tout aussi dangereuses pour un mauvais nageur, mais beaucoup plus gracieuses. Alors on a enfin écouté les anciens. De notre temps, on n'avait pas besoin de ça. Nous jouions avec des chambres à air et nous passions de beaux étés.